Bonjour, c'est Vestelane. Aujourd'hui, l'hypnose, dormir, maigrir. En effet, ne dit-on pas qui dort dîne. Il s'avère que dormir fait maigrir, dans le sens où, quand on dort, on ne mange pas. Le corps est au repos. Et quand il dort, le corps produit la leptine. Une hormone coupe faim qui induit la satiété. Donc plus vous dormez, plus vous êtes en satiété et moins vous prenez du poids. Cela a été étudié par le docteur André, qui a montré que les personnes qui dormaient moins grossissaient. Donc, pour ne pas grossir, pour moins grossir, dormez, prenez soin de la qualité de votre sommeil. En effet, c'est un cercle vertueux. Quand vous voyez les grammes passés au gramme inférieur sur la balance, passés au cran inférieur de la ceinture, très progressivement, de façon continue, petit à petit, mais sûrement, taille par taille. Peu importe son point de départ, à chacun son existence. Chacun son point de départ. Pour installer ce cercle vertueux, je vous propose en un premier temps une relaxe profonde du corps et du mental. Puis dans un second temps, induire une relaxation profonde, donc une hypnose, de votre inconscient, votre soi supérieur, la meilleure version de vous-même, pour mettre en place intérieurement, ancrer vos objectifs de silhouette harmonieuse, ceci en santé, puis induire la mise en place des actions pour atteindre vos objectifs de silhouette, de santé, ceci dans la joie, la décontraction. Après cette relaxe, vous reviendrez ici et maintenant en douceur, avec un ancrage pour bien ancrer profondément en vous, votre objectif et cette mise en place concrète au quotidien, dans la joie, en pensant à votre satisfaction d'avoir atteint votre objectif de santé et d'harmonie du corps. Car vous le savez, prendre soin de son corps, c'est prendre soin de soi dans sa globalité, de sa santé. C'est le fameux cercle vertueux. Dans tous les cas, vous y gagnez. Oui, vous allez y arriver. Sans se presser, sans enjeu démesuré, avec persévérance, patience. Il vous faudra du temps pour que votre corps, votre mental et votre soi intégral ancrent ceci dans la durée. Ancrez le changement. Le nouveau paradigme, votre nouveau vous, prémisse de votre vous rêvé qui petit à petit se concrétisera, se concrétise peut-être déjà. Après cette séance, je vous propose de prendre une feuille et d'y tracer trois colonnes. La colonne 1, ce que vous ne voulez plus. La colonne 2, ce que vous voulez. Rêver. La colonne 3, votre plan d'action, le plus détaillé possible et réaliste pour être en léger déficit calorique, faire au moins 3 fois par semaine du sport, de la marche, avec renforcement musculaire tant que possible, et en augmentant les portions de protéines tout en diminuant les graisses et les sucres rapides. N'oubliez pas le plaisir, des sens, du goût, de l'odorat, mangez ce que vous aimez. Mais mangez ce que vous aimez, de la healthy food, alimentation santé bien sûr. Et restez tranquille quand vous faites un petit écart. Entre amis, la fête justifie ces petits trous momentanés. C'est important. Soyez cool avec vous-même et aussi, soyez ferme dans vos objectifs.
tenez-vous-en. Il faut tenir dans la durée. C'est un des secrets de ma sœur, hein, que certains ont plus facilement que d'autres. Maintenant, je vous propose de passer à la séance proprement dite. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Ajustez votre position. Et vous pouvez l'ajuster tout au long de la séance, si cela est nécessaire, si vous en sentez le besoin. Maintenant, une fois que vous êtes bien installé, prenez trois grandes respirations. Inspiration par le nez, profonde, ventrale. Puis expiration par la bouche entrouverte, lentement, progressivement. En entrant le nombril, en remontant le diaphragme pour un maximum d'amplitude et activer le nerf vague. Ainsi, les mécanismes physiologiques de la détente vont se mettre en place. Pour vous aider, vous pouvez imaginer une flamme d'une bougie blanche, flamme sur laquelle vous expirez doucement, progressivement, pour faire danser cette flamme sans l'éteindre. Et ceci trois fois, au moins, et ceci sans effort. Je vous laisse le temps. Respirez profondément à votre rythme avant de reprendre tranquillement votre respiration naturelle. Tranquille, la détente s'installe déjà. Et si la respiration profonde vous convient, si elle est fluide, vous pouvez continuer à respirer ainsi profondément. C'est comme vous voulez. Aussi, je vous propose de vous concentrer sur ma voix et les bruits de la nature que vous pouvez peut-être entendre percevoir juste dans mon jardin. Il y a des oiseaux, le vent dans les feuilles, au loin, un petit chien qui jappe un petit peu. Passage d'abeilles, la feuille de mes prises de notes aussi. Qui s'agite au vent, qui contribue à votre détente. Et s'il y a d'autres bruits, vous contribuez à approfondir cette détente. En effet, la détente s'installe. Maintenant, pour accentuer cette détente, je vous propose d'imaginer votre lieu préféré, votre lieu ressource, celui que vous aimez le plus. Vous vous sentez si bien que cela apaise votre esprit rien que d'y penser. Celui qui vous permet d'avoir une pause dans ce tourbillon de la vie. Un lieu où tout se ralentit, permettant de prendre un temps pour soi, un moment qui éclaircit un peu vos idées, ou complètement. Vos idées sont claires, le ciel est clair, l'eau est claire, ou tout autre lieu qui est propice votre détente, celui que vous préférez. Un lieu où vous n'avez rien à prouver, rien à faire de particulier, où il n'y a pas d'enjeu, aucune attente, où l'air est neuf, tiède, frais, un air qui traverse votre tête, votre corps,
s'allège, se détend encore plus. La légèreté, un rien, une attente, une pause méritée, ici et maintenant, sans impératif. Où le temps s'éternise, s'allonge. Sans rendez-vous, sans réunion. Ah bah, la réunionnite. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Présentement, vous êtes libre de votre temps. Pour profiter de cette séance, de tout le temps devant vous pour vous permettre d'en profiter concrètement. Profitez. Ce qui accentue la détente. Aussi, je rappelle que sachant que l'imagination est le mode de langage, d'expression de votre inconscient. Le langage préféré de votre soi supérieur. Vous allez pouvoir dialoguer avec vous, entre vous, en conscience, à cette petite voix qui peut se faire entendre, qui vous étonne quand vous l'entendez, bien avant que prendre conscience que cette voix bienveillante est vous-même, dans votre meilleure version, la version la plus complète de vous. En bienveillance, en mots justes, constructives, favorablement, ceci en justesse et douceur. Conscient de votre totalité, comment penser que notre inconscient, subconscient, notre moi total n'a pas d'impact? Il en a forcément. Et cette séance, votre séance, via votre imagination, permet son expression, son dialogue avec lui. Laissez aller. Étonnez-vous, amusez-vous, soyez curieux, curieuse. Votre inconscient, votre moi profond a-t-il forcément quelque chose à vous dire? Vos conseils vous aider dans votre objectif de bien-être, qui s'exprimera dans le concret, dans une silhouette harmonieuse et une santé plus aboutie, meilleure. La meilleure version de vous-même ici et maintenant, avec ce lien corps-esprit, conscient, inconscient, subconscient, meilleure version de vous-même. Pour cela, pour prendre plus conscience de la valeur de votre corps, et que celui-ci peut vous faire ressentir du vivant, de l'expérience, de la vie, je vous invite à une détente de celui-ci. Votre corps va ainsi mieux prendre conscience de chacune de vos complétudes, de l'importance de ce véhicule. Prenez soin de lui. C'est pourquoi, maintenant, je vous invite à vous concentrer sur votre tête, le cuir, votre cuir chevelu, comme si votre cuir chevelu était massé. Ainsi il se détend. Laissez le tour de votre front, les sourcils, des petits muscles entre les sourcils, les muscles autour de vos yeux, paupières, muscles de vos nez,
vos ailes de nez, vos narines. Essayez de relâcher. Puis ceux des joues, les lèvres supérieures. Les muscles autour des yeux, des paupières, ceux du nez, des ailes du nez, des narines, de se relâcher. Puis les joues, les lèvres inférieures, lèvres supérieures, de se détendre. Ensuite, ce sont les muscles du menton, la mâchoire qui se relâche. Peut-être que la bouche est déjà entrouverte. Laissez aller. Puis c'est le tour des oreilles et du cou, l'avant du cou, l'arrière du cou. Se relâcher. Puis le tour des épaules, des trapèzes tendus qui se détendent, qui se relâchent. L'onde détente s'installe de plus en plus relâchée, relaxée, détendue. Cette onde de détente se propage le long des bras, avant-bras, poignets, mains, le dessus des mains, la paume des mains, et arrive à chacun de vos doigts jusqu'à la pulpe. Puis l'onde de relaxation remonte au cou, dont la relâche s'accentue. L'onde de relaxation longe le dos, du haut du dos au bas du dos. Chaque muscle, les petits muscles entre les vertèbres, cervicales, dorsales, lombaires, se relâchent un à un. Toutes les tensions s'apaisent, s'estompent de plus en plus. Profitez. Puis ce sont les hanches qui se détendent, le bassin, le ventre qui se relâche. Dans le ventre, chaque organe se détend, libérant les tensions et tout ce qui doit l'être. Petit à petit, sûrement, prenez le temps, prenez votre temps, allez à votre rythme, revenez à une partie du corps si vous le souhaitez. Profitez de ce temps. Temps que vous vous accordez présentement pour cette relâche du corps, de certaines parties en particulier. Peut-être que le ventre s'exprime, a quelque chose à vous dire, à vous révéler, à vous faire ressentir, écouter. Santé.
Tendez l'esprit comme si vous tendiez les oreilles. Peut-être cette petite voix, votre intuition, un instant plus tard, va s'exprimer. Laissez aller sans attente particulière. Prenez ce temps pour vous. Maintenant, je vous propose de revenir au chemin que l'onde de détente suit, poursuit. Ce temps de détente arrive à la cage thoracique, qui s'allège davantage, qui allège davantage votre respiration. Cette légèreté continue à s'installer de plus en plus, tranquille, profitez. Puis, l'onde de détente revient au bassin, aux hanches, libérant les potentielles tensions. Détente accentuée. Ensuite, c'est le tour des cuisses, dessus, du dessous des cuisses. Des genoux, des mollets, tibia, des chevilles et le dessus, le dessous des pieds pour aboutir à chacun de vos doigts des pieds jusqu'à la pulpe des doigts des pieds. La détente installée, totalement relâchée, profitez. Ainsi, ce focus sur votre corps contribue à votre bien-être, à votre totale détente. Enfin, votre réceptivité s'ouvre de plus en plus. Détendue, votre subconscient, votre inconscient est en éveil. Son attention est décuplée. Peut-être que vous ne ressentez rien de particulier. Ça n'a aucune importance. Je vous assure que, même si vous ne ressentez consciemment rien de particulier, votre inconscient, lui, comme votre cœur, votre soi supérieur, sont là, attentifs et scrupuleux à votre bien-être, en accord avec vos valeurs, en accord avec votre cœur, en accord avec le meilleur de vous-même. Votre cœur, votre soi supérieur, les lois de l'univers s'en assurent. S'assurent que la bienveillance, la joie, la créativité sont là pour votre épanouissement. Est à gagner, favorable à votre bien-être global, installant une énergie venant de la Terre, venant de l'univers, venant de tout votre être, à chacune de vos cellules, qui comme des milliers de coquelicots, dans des milliers de champs de blé, aux milliers d'épis de blé,
autant de cellules que cela vous apporte autant d'énergie que ces milliers de milliers de coquelicots d'épis de blé dans cette multitude de champs fertiles. Cela vous donne une idée du nombre impressionnant de vos cellules et donc de la quantité incroyable d'énergie interne qui est en vous et que vous pourriez disposer. Assurez-vous de la présence de cette grande énergie interne. Soyez-en conscient. Puis, le conscientisant, cela sera plus propice à la mise en place de sa mobilisation. Aussi, à la collaboration de votre corps, composé de toutes ces cellules, pour votre harmonie. Votre mise en place de votre objectif en harmonie. Une harmonie, votre silhouette harmonieuse qui se mettra en place avec le temps. Harmonie pour vos cellules en sachant ce qui leur est profitable, ce qui leur fait du bien, qui les nourrissent de façon profitable, en qualité, ni trop peu, ni trop. Vos cellules n'attendent que cela. Ainsi, elles pourront vous fournir toute l'énergie qui vous sera profitable. Respect mutuel, entraide mutuelle. Vos cellules savent ce dont elles ont besoin, en qualité, en ni trop, ni trop peu, surtout en qualité. Qualité essentielle à leur bon fonctionnement, à leur activité optimale, à leur élimination optimale des toxines, des excès, de ce qui ne leur est plus utile pour acquérir la légèreté, pour leur meilleure activité de cellules, donc pour leur meilleure santé et des cellules en bonne santé par conséquent. Un corps en bonne santé, un esprit en bonne santé, meilleure santé possible, du corps et de l'esprit, l'harmonie, en harmonie. Et quand cette harmonie s'installe, chaque cellule optimale, votre corps dans son entier le saura, en santé, en harmonie, en finesse, en légèreté. Il le saura et vous fera savoir par du mal-être, des douleurs au tréfonds de vos cellules si les excès sont trop fréquents. Alors vos cellules chargées de toxines, de déchets ont mal et par conséquent votre corps a mal. Vos cellules seront écœurées, fatiguées, des excès, des toxines engendrées par ces excès. Et alors, votre corps sera fatigué, écœuré, ressenti, harmonie perdue. Comme ce n'est pas ce que vous voulez, votre décision est prise. Vous allez y remédier. La diététique, les bons aliments, tout ce qu'il faut savoir concernant le déficit calorique, la nature des aliments bons pour votre santé. Inutile ici de refaire un cours de nutrition, vous savez déjà tout ça. Vous aimez? Vous aimez vos cellules? Chacune des milliers de milliers de cellules? L'énergie qu'elles renferment? Ce sont vos trésors de santé, ici-bas et maintenant. Un trésor que vous allez prendre soin, enfin, en prenant soin de votre corps avec cette harmonie, avec le temps, avec persévérance,
en aimant prendre soin de vos cellules. Le respect s'installe, l'harmonie s'installe, le mental s'allège, le corps s'allège, la silhouette est plus légère. Ceci petit à petit, durablement, de façon équilibrée, harmonieuse, enfin, et ceci pour vous, en vous, avec vous, vous êtes l'acteur, l'auteur de votre vie, de votre harmonie, de votre corps, le lien corps-esprit. Ceci va s'ancrer en vous, ici et maintenant. Et dans le sommeil, cet ancrage consolidera. Un sommeil éteur, apaisant et constructif. Et demain, vous pourrez écrire votre fiche avec les trois colonnes. Pour être au clair, votre passage à l'action. En effet, connectez-vous au meilleur de vous-même. Transcendez-vous. Découvrez votre version la meilleure de ce qui vous êtes. Vous êtes le créateur de votre propre vie, votre corps, esprit. Les ajustements, c'est vous qui les mettez en place pour atteindre votre objectif. Les aides extérieures peuvent être proposées si cela est nécessaire. Si vous entrez en action, sans faux semblant, vous avez trop ou mal mangé pendant longtemps, ce qui ne vous convient plus, ne convient pas. Allez voir des médecins traitants, des diététiciens, des diététiciennes, nutritionnistes, endocrinologues et autres. Aussi, pourquoi pas, des cours de cuisine. Marchez dès que l'occasion se présente. Mettez-vous au sport progressivement avec satisfaction, joie, persévérance dans la joie. Y allez lors de 3 fois par semaine. Des semaines et des ans, des mois vont passer. Peu importe, soyez persévérant pour vous, pour votre silhouette, pour votre santé. Prenez le temps. En qualité, nécessaire pour mieux ancrer et stabiliser les bénéfices. En effet, le changement et le fait de mettre en action, c'est être en vie, c'est la vie. Cela ouvre de multiples nouvelles perspectives en coupant avec les mauvaises habitudes passées. Votre vie maintenant, présentement, en action. Vous permettre votre objectif de silhouette, de bien-être. Vous, vrai vous, vraiment, pleinement satisfait de vous occuper de vous. Enfin, c'est mérité de prendre tout du temps pour vous, de prendre soin de vous, pour vous, en vous. Vous le savez, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, comme disait Madame Bienveillance. Arrêtez d'attendre le bon moment, car le bon moment, c'est maintenant. C'est possible, à qui rêve, ose, travaille, n'abandonne jamais. Le temps est votre allié. Amusez-vous. Ode à la vie. L'ancrage se fait dans ce silence momentané. Maintenant que votre objectif d'harmonie est ancré en vous, la détente profitable vous a régénéré, éclairé. Je vous propose maintenant de revenir dans le moment présent en conscience ordinaire, avec la meilleure version de vous-même. Reprendre votre vie présentement, ici. Complet. Ceci en vous endormant pour
ancrer profondément votre objectif d'harmonie. Corps léger, harmonieux. Pendant le sommeil. Je vais compter de 1 à 5 et à 5, vous vous endormirez. 1. Reprendre conscience du rythme de votre respiration. Inspirez profondément. Expirez profondément, et ceci 3 fois, pour prendre conscience de votre corps dans sa globalité. Et du lit, des draps, du support de votre corps. 2. Vous percevez la lumière à travers vos paupières, vous indiquant votre retour dans la conscience ordinaire. Gardez vos paupières closes. 3. Soyez attentif au bruit autour de vous. Il vous berce. 4. Vous vous sentez bien, détendu. Vous bâillez. 5. Le sommeil est là. Il vous entend. Qualité de votre ancrage, de votre objectif. Bonne nuit.